D'abord, la Silicon Valley, c'est un vieux truc. Donc, ça n'arrive pas. Trop souvent, je vois des visiteurs venus de France nous poser, à moi entre autres, la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une Silicon Valley en France ? On ne peut pas avoir une petite poudre lyophilisée, on verse un peu d'eau chaude ou de l'argent chaud, et puis top, on a une Silicon Valley, instant Silicon Valley. C'est un vieux truc qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque Hewlett et Packard ont commencé la société en 1938, sur des terrains loués à bas prix par l'université de Stanford. Et en fait, la Silicon Valley est née d'une très bonne relation, interpénétration entre le savoir et l'entreprise, entre l'université et les entrepreneurs. Alors qu'en France, le business, c'est pas propre. Donc il y a l'université revêtue de lin blanc, et puis il y a les entrepreneurs un peu sales. C'est la culture, on ne va pas la changer, mais il faut le savoir. Ici, c'est une culture protestante. En France, c'est une culture de tradition catholique. Et donc les relations avec l'argent ne sont pas du tout les mêmes. Et puis il y a la tradition de l'Ouest américain. Vous savez, il y a une blague qui dit que Dieu a pris le continent américain sur la tranche, a tapé comme ça, et tous les déboulonnés sont tombés sur la côte ouest. Et donc c'est une bonne image parce que la Californie, en particulier la région ici, a été depuis très longtemps une région où on venait se refaire, se réinventer, se redonner une nouvelle vie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup de gens font. Et je pense que ça a contribué beaucoup au fait que c'est la nouvelle frontière. Ça reste une nouvelle frontière. Donc il y a ce sentiment de liberté, de possibilité. Et puis il y a eu le capital risque postérieur à la naissance de la Silicon Valley. Le capital risque est, comme vous le savez, une invention française du général Doriot, qui est le frère de l'autre Doriot, moins glorieux, mais le général Doriot qui a inventé le capital risque à Boston, il a financé le Digital Equipment, et il a inventé l'INSEAD. On peut dire qu'il a lui aussi il a deux statuts, c'est pas mal. Et donc c'était des indépendants qui n'étaient pas des banques, c'est très, très distinct des banques, des autonomes, c'est-à-dire qui faisaient leurs propres règles pour donner de l'argent, enfin, contre des actions, à des entrepreneurs pour échanger une chance contre des profits futurs partagés. Donc ça, il y a le capital risque qui est arrivé là-dessus. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait un gros effort technologique, dont une partie s'est faite dans la vallée. Il y a eu Fairchild, et puis il y a le silicium, le transistor, les circuits intégrés, National Semiconductor, Intel. Ça a été une suite, une fois amorcé, ça a été une suite de réactions. J'aime bien travailler avec les ingénieurs français. Je ne suis pas toujours bien reçu dans certains milieux quand parce qu'on me dit voilà, tu vas faire du vol des cerveaux, mais je dis les gens s'appartiennent, ils n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre, ils s'appartiennent. Et donc c'est à eux de se décider librement et à moi ou à nous. De leur offrir les moyens de réaliser leur volonté. Il y a un très bon système d'enseignement supérieur. Il y a des écoles d'ingénieurs d'un très très bon niveau, de normale sup, qui n'est pas une école d'ingénieurs, mais en fait très bons mathématiciens. Et en fait, aujourd'hui, Google sont des mathématiciens, essentiellement. Donc il y a de très bons mathématiciens, il y a une très bonne école de logiciels, par exemple, dans la CAO, la conception assistée par ordinateur, la sous-système, dans l'imagerie numérique, dans les jeux, dans les multimédias, dans les réseaux. Il faut quand même se souvenir que bon nombre des protocoles d'Internet ont été soit inventés, soit développés à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique, le dernier, enfin bon, c'est un institut de renommée mondiale.
dans notre domaine. Donc les réseaux, l'Internet, l'Internet tel qu'on le connaît est en partie une invention européenne, pas française, pas juste à la frontière, au CERN, hein, le protocole HTTP, hypertexte, a été inventé, au CERN, par Teams, Sir Tim Berners-Lee, qui a été anobli, et à juste titre. On lui doit beaucoup. Les républicains oublient que, par exemple, l'Internet, c'est une invention du body gouvernement, d'une agence gouvernementale de la recherche pour la défense, hein, DARPANET. Enfin, bref, en France, pour revenir à la France, il y a deux très bonnes écoles, et il y a une très bonne école de pensée, d'ingénierie, de logiciel, que nous aimons beaucoup, et les Français sont partout dans la vallée. Vous allez chez Google, chez Apple, chez Microsoft, chez Oracle, chez LinkedIn, chez Facebook, il y a des Français à tous les niveaux d'organigramme. J'aime beaucoup ça, ça me remplit d'aise de voir l'esprit français dans ce qu'il a de meilleur se marier à l'esprit de la Silicon Valley. C'est-à-dire que personne n'abandonne son identité, mais il y a une fusion de ces identités qui donne d'excellents résultats pour les ingénieurs français. Mais, par exemple, est-ce qu'on peut faire un Google en France ? Non. Parce que Google est une entreprise de langue anglaise. C'est pour ça qu'elle a pris sa dimension mondiale. Alors on peut pester comme on veut, et à mon avis, pas plus de 30 secondes, sur la domination de l'anglais dans certains domaines. Mais on s'en fout. Ce sont des visionnaires du rétroviseur qui disent ça. C'est l'anglais qui est la lingua franca, si je puis risquer le jeu de mots, des affaires. Et c'est comme ça. Hein, c'est ce que disait le Bouddha. What is, is. Ce qui est, est. Et donc, embrassons au lieu de pester. Et regardez l'exemple d'une société comme Arcos, qui a fait des produits très intéressants. Bon. Pour des raisons que je ne comprends pas, les dirigeants n'ont jamais voulu venir prendre racine dans le vignoble, dans les vignobles de la Silicon Valley. 10 ans après la naissance d'Arcos, la tablette Apple arrive, et puis... Voilà. Quand il s'agit, par exemple, du tourisme, le tourisme, c'est une industrie aussi noble qu'un informatique. Alors, je sais que ce n'est pas l'avis de certains, mais donner à quelqu'un l'accès à la beauté d'un paysage ou d'une architecture ou des œuvres d'art, c'est aussi noble que d'écrire des algorithmes pour un iPhone. C'est différent, mais ça n'est pas plus ou moins noble. Bon, la qualité, la France est la première destination touristique du monde. C'est bien la preuve qu'il y a des atouts français qui sont justement uniques au monde. Il ne faut pas se résoudre, il faut embrasser. Ce n'est pas la même chose que se résoudre. Résoudre, c'est déjà dire on a tant pis. Non, il faut gaillardement embrasser, il faut monter à l'assaut de la Silicon Valley, et puis s'y faire une identité. Et puis, le nationalisme, c'est mauvais. Voilà. Non, il ne faut pas être nationaliste. Alors je sais qu'on peste contre la mondialisation et tout ça, mais je veux dire, la mondialisation, ça a donné à manger à toutes sortes de gens qui n'avaient pas à manger avant. Alors évidemment, ça a déplacé de la richesse... Mais ça a donné à manger à des êtres humains qui n'avaient pas à manger auparavant. Alors je vois mal, je vois mal, c'est-à-dire que la situation n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et on va voir d'ailleurs aux États-Unis des maladies culturelles qu'on voit en Europe. Je connais des pays européens qui ont du mal à se faire à l'idée qu'ils ne sont plus au premier rang. Des nations, ben les États-Unis sont en train d'attraper cette maladie culturelle. Mais les Suisses ne se posent pas la question. Ils sont contents d'être Suisses. Et donc il vaut mieux être content d'être qui on est plutôt de regretter de ne plus être qui on était.
et qu'on n'était peut-être d'ailleurs pas, parce qu'il y a, cette espèce de toilette des souvenirs qui fait que les guerres napoléoniennes sont vécues comme une époque héroïque. Pas vraiment. Ah. L'Europe, c'est une chose merveilleuse. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je traverse la frontière en voiture pour aller de France en Allemagne, que je suis né en 1944, donc j'ai entendu toute mon enfance des histoires de l'occupation. Mes parents étaient des travailleurs invités. J'ai été conçu à Berlin. Quand je vois que les Français et les Allemands sont en paix depuis maintenant plus de 60 ans, je suis hilar. Je dis voilà une des belles choses que d'ailleurs les Américains ne comprennent pas. Regardez les querelles politiques américaines, c'est lamentable. Regardez les systèmes de santé américains, c'est lamentable. Donc il y a toutes sortes de choses que les Américains peuvent apprendre de l'Europe en particulier, de la France en général, où il y a un système de santé. Comme disent un des ingénieurs, en se moquant de quelqu'un, on pourrait dire du système de santé, comme il disait lui-même, c'est plus cher, mais c'est moins bien. Donc on a ici les premières dépenses par tête d'habitant en soins de santé, et on a le 36e niveau de qualité dans le monde. Donc il ne faut pas voir dans les États-Unis la panacée, la solution à tous les problèmes. Loin de là, je pense qu'il faut piquer les idées là où elles sont. Et les Américains feraient bien de faire le chemin inverse que je recommande pour certaines idées françaises, d'aller piquer les idées des Européens en matière de système de santé. Ici, l'échec, c'est vécu, mais on s'est planté. Alors en France, quand vous ratez, vous êtes raté. Ici, quand vous ratez, vous avez de l'expérience. Et alors évidemment, si vous vous plantez un peu trop souvent, quand on va commencer à vous dire, écoutez, cher ami, il faudrait changer de métier. Mais regardez le nombre d'entrepreneurs. Ici, il y a un voisin qui est un de mes anciens collaborateurs d'Apple, il s'appelle Steve Perlman. Il en est à son 5e ou 6e start-up. Il en a réussi 2 sur les web TV. Les 2 suivants n'ont pas marché. Avant, il avait fait 3 qui n'avaient pas marché. Et là, maintenant, il a ce On Live, des jeux en ligne. C'est un scientifique. Mais en même temps, c'est un très bon entrepreneur. Et visiblement, des fois où il s'est planté, ça ne l'a pas découragé. Ça n'a pas découragé ses investisseurs. Mais au contraire, il s'est dit, oulala. On va pas le refaire. Alors évidemment, il y a ceux qui malheureusement recommencent toujours les mêmes erreurs. Il y a des gens qui se marient 8 fois dans leur vie. Ça c'est pas une bonne utilisation de l'échec. Je pense que c'est dû au fait que c'est un pays neuf. C'est encore un pays neuf. Moins qu'il y a un quart de siècle. Il y a encore cette idée du possible. C'est un pays qui reste quand même optimiste. L'Europe en général est pessimiste, et les États-Unis en général, si on veut vraiment faire un très gros trait, sont optimistes. Or, pour ce qui les concerne, les pessimistes ont raison. Pour ce qui les concerne, les optimistes ont raison. C'est pour ça que sur mon bureau, j'ai un petit santon de la crèche provençale qui est le ravi. Je pense que je suis optimiste. Et puis jusqu'ici, ça n'a pas affaibli ni ma famille, ni mes associés. Donc j'ai du mal à changer d'avis. Je suis heureux parce que je me dis, j'ai une bonne vie. Et si ça s'arrête ici et maintenant, j'ai une bonne vie. Je ne suis pas dans une phase, dans une posture de me dire « Ah, si seulement, je faisais ça ». À ce moment-là, je pourrais dire que j'ai ou que j'ai une bonne vie. Et puis, il y a la contemplation de la vie devant moi d'avenir, où il y a plein de choses à faire. Il y a ce fonds que je suis en train de monter avec des Français, des Américains, pour aider des entreprises européennes en général, espagnoles, je parle espagnol, italienne, allemande,
suisse, belge, néerlandaise, suédoise, finlandaise, lituanienne, à venir s'installer ici. Et je trouve ça très excitant parce que c'est juste, il y a quelque chose de profondément juste à l'idée d'aider des entrepreneurs à briser les limites du marché dans lequel ils sont pour prendre leur dimension mondiale. Donc ça c'est très excitant. Je suis très heureusement marié, je suis bien aimé. Mon épouse, qui est une artiste, s'est découvert une vocation de bâtisseur et donc elle bâtit des maisons dans Palo Alto. Et donc c'est une vie extraordinairement intéressante. Nos enfants sont adultes et prospères au sens du verbe. Prospérer, font des choses tous les trois, des choses intéressantes, donc oui, enfin, la vie est bonne.